Chérie, regarde. Le gouvernement a enfin envoyé les masques. Ah, ça valait le coup d'attendre. Regarde, il y en a plein, il y en a pour mamie. Elle est morte. Il y en a pour papy. Oui, mais il est mort, donc... Il y en a pour tonton. Bon, ça servira pour le polish de la bagnole, tant pis. Ah, ça fait du bien de se balader un peu, quand même. Je me suis fait électrocuter par mon téléphone. Ah, putain, c'est moche. Je comprends pas, on est à moins de 50 mètres de la maison, là, non? Mais ouais, mais il doit y avoir un voisin dans le coin. Hier, ils ont interdit les rassemblements de plus de 3 personnes. Attends, j'en ai marre, moi, j'ai tant mangé plus. Non, arrête, non, il y a un drone. C'est une blague. C'est pour rigoler. Yes! J'ai enfin reçu ma carte du parti. Je suis officiellement en marche. On va enfin pouvoir toucher l'allocation chômage. L'allocation chômage? Mais ça existe plus, hein. Bah, faut bien financer la suppression de l'impôt sur le capital, hein. Oh, regarde! Ils sont sympas comme tout! Ils ont mis un pins parlant Muriel Pénicaud! Faut travailler! Excellent! Oh, je l'adore! Waouh! Il y a même un poster du ministre de la Santé! Oh, trop bien! Oh, vas-y, on le met à côté du ministre de Solidarité! Ouais! Oh, trop bien! Oh, ils sont beaux! Trop beaux! Le temps aussi. Mais pourquoi on va pas à l'hôpital? Mais parce que si on va à l'hôpital, ça nous coûtera 12 000 Macron-Pec. La réforme Véran est passée. Putain, j'y arrive pas. Bon bah tiens, fais compression avec ça. Pour le doigt, Kamiskine. Il aime ça. Il me reste que 20 Macron-Pec pour aller faire les courses. T'as combien toi? Mais j'ai rien. Ils ont réquisitionné l'épargne privée pour renflouer les banques. C'est bon, l'attestation de déplacement. Et mon carnet de santé. Et mon arbre généalogique sur 37 générations. Et mon poème en alexandrin à la gloire du ministre de l'Intérieur, Didier Lallemand. Non mais c'est ta faute. Pourquoi t'as fait rimer Didier avec grands enculés? Il est 20h, il faut aller applaudir nos sauveurs. Vive le président à vie. Vive le prince héritier Philippe. Oh, bouh, les infirmières, jamais contentes. Alors, enlevez-moi les valides maintenant qu'on n'a plus le droit de grève. Feignasse, gauchiasse. Vive le président à vie. Oui. Alors, année 2021, date 25 ou 26 juin, on est 25 ou 26. Ça ne devait pas durer que pendant l'épidémie, l'état d'urgence. Si tu veux que je te dise, c'est des gros fils de...